pour nos amis qui n'étaient pas là ce matin, on survole, c'est vraiment un survol, les 12 premiers chapitres d'Ésaïe. Et dans le sens qu'on est quand même impressionné quand on lit ces chapitres. On se rend compte que cet homme, il est inspiré par Dieu. Parce que certainement personne n'aurait pu dire ce qu'il a dit si Dieu ne l'avait pas inspiré. On est des fois étonné par l'imagination des gens. Quand vous allez dans une librairie, vous envoyez des livres. Hein. Je dis, mais c'est pas possible que les gens ils ont écrit tant de bouquins comme ça. Mais c'est pas de l'imagination là. Là, c'est de l'inspiration. On croit que la parole de Dieu, elle est inspirée. Dieu communique son message aux hommes. Et on a vu ce qu'il ressentait. Il a décrit l'état, la dégradation spirituelle du monde de son temps. Un peuple qui a perdu la notion de Dieu, la connaissance de Dieu, et le mal, n'est-ce pas, a pris beaucoup de force. Il sent aussi le jugement qui vient. Dans la Bible, il est parlé de l'amour de Dieu, mais il est aussi fait mention du jugement de Dieu, un jugement qui vient. Et on a vu aussi, au chapitre 6, qu'il a fait une expérience extraordinaire avec Dieu, qu'il l'a vraiment marqué. Et on aurait pu croire que c'était le summum, que c'était, il est arrivé, il a fait l'expérience des expériences, c'est formidable. Non, Dieu lui dit en quelque sorte, cette expérience, ça sera pour toi un point de départ pour aller plus loin. Pour aller plus loin, il fallait que tu passes par là, en quelque sorte. Il a compris plus encore combien c'était par la grâce de Dieu qu'on pouvait prétendre, et l'a encore entendu cet après-midi au travers de ce témoignage, que Dieu nous bénit par sa grâce et qu'on ne mérite rien. Et quand on est vraiment devant la grandeur et la perfection divine, on se rend compte de notre petitesse, mais on se rend compte aussi que ce Dieu nous aime et veut nous bénir. Amen. Alors, il avait encore, heureusement que, on disait ce matin, heureusement qu'Ésaïe a répondu à l'appel de Dieu, qui enverrai-je ? Heureusement que Ésaïe ne s'est pas arrêté, mais qu'il a laissé Dieu le conduire plus loin, parce qu'il va nous dire encore des choses magnifiques. Je voudrais d'abord, avant de lire ces passages, on va lire le chapitre 12, on va finir par le chapitre 12 d'Ésaïe, du survol d'Ésaïe, voilà. Relisez chez vous ces 12 chapitres, voilà, et vous verrez, peut-être avec ce qu'on a dit, ça vous donnera une autre vision du message. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 12, verset 1er. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, cherchez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Amen. Ça fait du bien de dire ça, non ? Oui ? Je crois qu'on est content. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui respire la joie, non ? C'est rare aujourd'hui de lire des textes qui respirent la joie, d'ouvrir les pages d'un journal et vous vous sentez transporté d'enthousiasme. Mais là, on sent quelqu'un qui est vraiment dans la joie, quelqu'un qui est rempli d'assurance. Il dit des choses, c'est comme ça maintenant. Voilà, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ce n'est pas de l'incertitude, mais c'est une assurance dans sa vie. Je pense aussi que c'est des paroles d'humilité. Parce qu'il rend gloire à Dieu. Il ne dit pas moi ceci, moi cela, j'ai fait ceci, je suis allé là, ceci. Non, non, il rend gloire à Dieu. Des paroles d'humilité, ça aussi c'est rare. Hein? Des paroles de reconnaissance.
Ce texte, il est plein de reconnaissance. C'est plein d'espoir. C'est plein de bonnes choses, non ? Amen. Et on voudrait vous dire que dans la parole de Dieu, il y a des textes qui sont pleins de bonnes choses, qui sont dits par des cœurs qui sont remplis de bonnes choses. Et on voudrait vous dire aussi que ces bonnes choses, elles sont aussi pour vous. Tu diras en ce jour-là, il y a un jour dans ma vie où j'ai dit, où j'ai parlé autrement, il y a un jour où j'ai été en communion avec ces passages-là. Et le Seigneur veut aussi pour vous que ce jour, ça peut être aujourd'hui, tu diras en ce jour-là, aujourd'hui, dit le Seigneur, tu diras en ce jour-là. On parlait ce matin, parce qu'on parlait quand même, il faut le dire, de pas mal de choses négatives. Et c'est vrai, quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, quand on regarde la société, encore plus quand on est chrétien, on a un regard un peu différent parce qu'on voit les choses comme Dieu les voit et on se dit, oulala, où est-ce que va notre monde, n'est-ce pas ? Peut-être que si tu regardes à tes circonstances, peut-être que si tu regardes à ta vie, peut-être que si tu regardes à toi-même, eh bien, tu ne vois pas des choses tellement positives. Esaïe voyait tout cela, il voyait ces choses, ce jugement, cette iniquité, cette corruption autour de lui, et il était vraiment désolé. Il a vu la grandeur de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu, il a compris la grâce de Dieu, mais il faut une solution. C'est pas simplement des bons moments qu'on a besoin, mais on a besoin d'une solution, on a besoin d'une solution personnelle, on a besoin d'une solution pour notre monde. Vous croyez pas ? On soupire intérieurement, je ne sais pas comment vous êtes, mais on soupire vraiment à ce que ça se passe bien dans notre vie, à ce que ça se passe bien dans notre monde. Et des fois, on en a assez que ça se passe mal. On cherche une solution, on cherche une solution. Et Esaïe, il va recevoir de Dieu la solution. Il va recevoir la solution. Quand on réfléchit aussi aux choses, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu avait quand même béni son peuple. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son peuple ? Il est né d'un miracle, il est né d'un homme et d'une femme qui ne pouvaient plus avoir d'enfants, d'accord ? De là, il a bâti un peuple qu'il a délivré de l'esclavage, il l'a accompagné de miracles extraordinaires. Il l'a fait passer par le désert et tous les jours, pas besoin d'aller au supermarché, mais c'était même pas le drive, c'était ça venait, ça vous venait, hop, ça descendait, il suffisait d'aller ramasser pour manger. Dieu les accompagnait pas à pas. Et quand on lit les récits de l'Ancien Testament, de ce que ce peuple a vécu avec Dieu, et quand on lit la loi de Dieu, une loi parfaite, Dieu lui a donné les commandements justes et bons pour vivre. Dieu lui a donné des hommes de Dieu à sa direction. Quand on pense à Moïse, quand on pense à David, il avait mis des juges, il avait mis des sacrificateurs, il avait tout fait pour ce peuple, pour que ça marche. On ne pouvait pas faire plus d'une certaine manière, pour que cette société, elle marche. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, ben, je ne dis pas presque que ça déprime un peu. Hein ? Ça déprime un peu. Parce qu'il y a des commentaires comme ça, vous lisez le livre des rois, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et ça marche pendant un temps. Puis à un moment donné, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et alors, hop, ça descend. Voilà. Et c'est une suite de haut et de bas comme ça. Mais ça ne monte pas, ça descend. Et quand on regarde le constat, qu'est-ce qu'on dit ? Ben ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Malgré la loi, malgré les miracles, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi si je voyais un miracle, ben dis-toi bien qu'Israël, il en a vu des miracles, hein, et pas des petits. Hein, et pas des petits. Et malgré tout ça, ça ne marchait pas. C'est de la faute à qui ? Est-ce que c'est la faute de Dieu ? Non ? Hein ? Moi je dis non plus. Hein. Mais c'est la faute à qui ? Oh, on va dire, oh c'est le diable.
Ah, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les puissances mauvaises, mais l'homme peut choisir son maître. Et au lieu de choisir de se tourner vers Dieu, il s'est laissé entraîner. Et les Israélites ont fait pareil. Ils se sont laissés séduire par les nations étrangères. Ils ont voulu faire comme eux. Et au lieu d'être un grand cri de victoire, c'est plutôt un cri de défaite. Et c'est ça que Ésaïe a vu. Alors il faut une autre solution. Et on voudrait ensemble ici, l'Église, c'est le lieu où on vit la solution de Dieu. Non ? Ouais. Où on expérimente la solution de Dieu. Moi, je me suis tourné vers le Seigneur, pas pour trouver une nouvelle loi, pas pour trouver un changement de société, pas pour trouver d'autres hommes, pour espérer des choses. Je voulais espérer quelque chose de Dieu. Amen. Un changement qui vient de Dieu. Et Ésaïe va être inspiré par Dieu. On parle là d'un homme qui a vécu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qui va se passer en l'an 2700 ? Non ? Il y en a qui vont dire, ah oui, mais non, c'est fini, on sera déjà avec au ciel, hein, avec le Seigneur. Hein. Non, mais imaginez ça. Hein. Parler d'événements qui vont arriver 700 ans après. Et c'est dans ces chapitres-là, par exemple, que vous avez au chapitre 7, et au verset 14 d'Ésaïe, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, à l'époque la jeune fille c'est la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Non, vous n'êtes pas à la fête de Noël, on n'est pas occupé de... Non, vous n'êtes pas dans les évangiles. Vous êtes 700 ans avant la naissance de Jésus. Et cet homme, inspiré par Dieu, est occupé de nous dire, voilà, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il n'a pas fini, au chapitre 8, et au chapitre 9, verset 5, voilà ce qu'il va dire. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent des prénoms pour leurs enfants. Hein. Des fois, il y a des choses bizarres hein, qui sortent. On cherche le prénom qui est inhabituel. Ben, si vous en voulez un prénom inhabituel, vous choisissez Père éternel, vous avez. Ça, c'est inhabituel. Hein. Dieu puissant, admirable, c'est délicat d'appeler son enfant admirable. Hein, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours comme ça. Hein. Mais c'est vrai là, hein? Admirable. Un enfant nous est né. La solution de Dieu, elle est étonnante. C'est un enfant, un simple enfant, mais pas n'importe lequel non plus. Un enfant qu'on pourra appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Dieu avec nous. Dieu vient partager notre condition humaine et on a vu comment il l'a fait. Dieu vient faire briller sa lumière dans nos ténèbres. La solution, c'est Dieu avec nous. Amen. Et l'évangile, frères et sœurs et amis, l'évangile, c'est maintenant Dieu qui vient avec toi, qui vient dans ta vie, qui vient dans ton cœur. Dieu avec toi, c'est aussi Dieu pour toi, dans ce sens-là.
Dieu qui t'accompagne, Dieu qui est là, Dieu qui est présent, mais Dieu qui agit pour toi. Et l'apôtre Paul s'écrira cette phrase, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà ce qu'Israël avait besoin, c'est entrer dans une nouvelle dimension de relation avec Dieu. Si vous venez chercher ici une loi nouvelle, plus exigeante, c'est pas ça qui va vous sauver. Si vous venez chercher ici, peut-être, je ne sais pas ce qu'on peut chercher dans... On vient chercher autre chose. Ce qu'on a besoin, c'est de quelqu'un. Ce que tu as besoin, c'est de la présence de Dieu dans ta vie et dans ton cœur. Qui est donc cet enfant? Il est admirable, conseiller, Dieu puissant. Les ténèbres, Dieu dit, ne régneront pas. Regardez ce qu'il va dire, chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres, le mal ne va pas régner à toujours dans ta vie. L'incrédulité ne règnera pas à toujours dans ta vie. Les malheurs ne régneront pas à toujours dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est lui qui vient prendre ta défense, c'est lui qui vient te secourir, c'est lui qui vient te sauver, c'est lui qui vient t'apporter la bénédiction de Dieu. Amen. Un enfant nous est né, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que de ténèbres autrefois, quand on ne connaissait pas le Seigneur. Que d'idées fausses, que de choses peut-être mauvaises, parfois impures, malsaines. Que d'angoisse, que de choses négatives étaient là à la porte de ton cœur. Et parfois même dedans. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop imaginer que vous trouviez en forêt la nuit. Vous voyez un petit peu ça? Chez nous encore, dans les ténèbres, quand il fait nuit, bon, on connaît, on sait. Mais des fois, on se sent un peu comme ça dans le monde. Et quelle bénédiction quand on voit une lumière. Et dans notre vie, ça a été comme ça. On était dans la forêt, dans la nuit, mais la lumière de Dieu est venue sur notre chemin. Un autre passage, chapitre 11. Voilà. Puis un rameau, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Là, il parle en quelque sorte que cet enfant qui va venir, il sera de la postérité d'Isaïe, qui est le père de David. C'est une autre façon de dire qu'il est de la descendance de David. Un rejeton naîtra de ses racines. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence. L'Esprit de Dieu va reposer sur lui. Et quand vous lisez l'Évangile, eh bien, vous vous rappelez peut-être, si vous avez fait votre éducation religieuse petit, eh bien, le jour du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le jour où Jésus s'est fait baptiser avec Jean-Baptiste, eh bien, il est dit que le ciel s'est ouvert. Et là, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Voilà, il y en a qui ont... C'est bien. L'Esprit de Dieu est là. On est 700 ans avant, on est dans le Nouveau Testament. Non? Ouais. 700 ans, parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Mais sa révélation va s'imposer. En quelque sorte, au travers d'Israël, il nous montre que l'homme ne peut satisfaire aux exigences de la loi de Dieu et qu'il faut une solution. Ce n'est pas par nos mérites, c'est pas par nos... Et le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, c'est bien cela, c'est par sa grâce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner et chercher la face de Dieu ou prier, hein, mais c'est jamais par nos moyens, par nos mérites. Dieu nous bénit par sa grâce. Alléluia. Et en fin de compte, Israël va comprendre petit à petit, Dieu va faire comprendre à Israël et à l'humanité
quel type de relation Dieu veut vivre avec nous. L'Esprit du Seigneur est sur lui, à son baptême. L'Esprit le pousse au désert pour être tenté, on se rappelle. Il revient du désert rempli du Saint-Esprit, il rentre dans le temple à Jérusalem, pas dans le temple, mais dans la synagogue de Bethléem, je crois que c'est ça. Hein. Et là, il déroule un livre, le parchemin, et le hasard, il tombe sur quel un passage dit d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Ça, c'est pas dans les 12 premiers chapitres, c'est après. Alléluia. Moi, j'aime... Alléluia, frères et sœurs. Hein. Alléluia. On a un Dieu qui est vivant de toute éternité. Alléluia. Et des années à l'avance, il annonce. Alors ça veut nous dire que ce qu'il a dit sur notre avenir, ça va arriver aussi, frère. Parce que ce qu'il a dit est arrivé du temps de Jésus, eh bien, alléluia. Et encore, là, on ne lit pas Ésaïe 53. Je vous dis, on est dans les 12 premiers chapitres, là. Mais déjà, et il a eu raison, comme je disais, je me répète, excusez-moi, hein, mais il a eu raison de répondre à l'appel du Seigneur. Et frères et sœurs, je voudrais encore vous dire, continuez à marcher avec Dieu, allez de l'avant avec le Seigneur. Oui, on en sait des choses avec le Seigneur depuis qu'on le connaît, mais certainement il a encore des bonnes choses à nous dire, amen. Et même la vérité, souvent je veux dire, la vérité en nous, elle peut prendre de plus grandes proportions. Tu peux comprendre que Dieu t'aime comme ça, d'accord, hein? Puis après tu comprends que Dieu t'aime comme ça. Hein? Puis après tu comprends que Dieu t'aime comme ça. Puis après tu comprends que Dieu t'aime comme ça. Ça va loin, l'amour de Dieu. Ouais, ça va loin. Et avec le Seigneur, on peut comprendre, parler des mêmes choses et que ça prenne en nous une dimension plus grande encore. Alléluia. Alors c'est tout simple qu'on dit, on relit cet après-midi, simplement ce que Dieu a dit au travers d'un homme qui était inspiré. Et je crois, frères et sœurs, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont côtoyé Jésus et ils sont partis à la découverte de qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour eux. Et voilà, c'est ce qu'on vous propose ici dans nos réunions. C'est de découvrir qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour vous. Et ça change nos vies. Alléluia. Ça change nos vies. Qui est Jésus, hein? Oh, il se rendait bien compte que c'était... D'ailleurs, ils l'ont suivi spontanément. Hein? Et lorsque Pierre, dans sa barque, il a répondu à l'appel de Jésus... Il avait passé toute sa nuit sans rien prendre. Pour un pêcheur, c'est dommage. Hein? Toute la nuit à travailler. Et Jésus qui lui dit, jette ton filet du côté droit, je crois. Jette ton filet du côté droit de la barque. Et Pierre, il obéit, il jette son filet. Et il lui dit, Seigneur, on a pêché. Avant, il lui a dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Hein? Et il l'a fait, hein? Et puis après, il avait du mal à le ramener, le filet. Il était plein de poissons. Et là, qu'est-ce qu'il fait juste après ça? Il dit, Seigneur, on va monter une entreprise de pêche. Ah, il y en aurait certains qui auraient ce feeling commercial. Aujourd'hui, il faut savoir saisir les bonnes occasions. Hein. Mais... C'est vrai qu'on rit, mais c'est vrai. Hein. Il y en a qui ont ça dans leur tête. Hein. Hein. Mais Pierre, lui, il avait autre chose dans sa tête. Hein. Qui est ce Jésus-là? Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. On a l'impression qu'il tout d'un coup, il est comme Ésaïe. Là. Hein. Ah, il n'y a pas une vision dans le temple, mais Jésus, il n'a pas flashé avec des éclairs. Non, mais rien que ce qu'il a vu, là, ça le met, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Crains rien, Pierre, tu seras pécheur d'homme. Alléluia.
ces hommes, ils vont partir à la découverte de ce que Jésus a fait. Et j'aime bien lire les évangiles parce que c'est des hommes comme vous et moi. Et même à la résurrection, ils n'y croient pas encore. Hein? À la résurrection, ils n'y croient pas. Et Pierre, il dit, ben, je retourne. Allez, on retourne pêcher. On croyait que... Mais voilà, plusieurs jours, et il est mort. Oh, il y a bien quelques femmes qui sont allées nous dire qu'il était ressuscité. Mais on retourne. Et là, il entend sur le rivage la voix du Seigneur. Hein, connaissez l'histoire. Nouveau miracle. Nouveau miracle. Nouvelle pêche miraculeuse. Et là, Pierre se jette à l'eau. Il sait à qui il a affaire. Et petit à petit, il va comprendre le sens de la croix. Il a vu la croix. Ça l'a choqué. Il n'a pas compris. Et lui qui disait à Dieu de plaise, Jésus, ça ne t'arrivera pas. Ils ne vont pas te crucifier. Ils ne vont pas te rejeter. Ce n'est pas possible. Il avait du mal à comprendre le plan du salut de Dieu. Et Pierre, il a été touché par ce que Jésus a fait pour lui. Alléluia. Il a compris le sens de la croix. Il a compris qui était Jésus. Il a compris le sens de la croix. Et ça, ça a changé et bouleversé sa vie. Tu diras en ce jour-là, on va le relire, chapitre 12, verset 1er, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ça, il faudrait le lire tous les jours. Hein. Car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Quand on dit ça, ben c'est qu'on a compris qui est Jésus, qu'on a compris la solution de Dieu, qu'on a compris qui est Jésus, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Dieu avec nous, et qu'on a compris ce qu'il a fait. Parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, et son ministère a été toutes sortes de bénédictions pour le peuple. Et tu diras en ce jour-là. Ce jour-là, eh bien, ça peut être maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce jour-là, tu peux changer complètement de langage. Tu peux changer de relation avec Dieu. Tu peux croire que Dieu t'aime. Tu peux croire que sa colère était juste. Mais sa colère, elle a été apaisée. Parce que je disais tout à l'heure, quelqu'un est mort pour toi sur la croix. La colère de Dieu, il l'a prise sur lui. Alléluia. Il a pris le jugement sur lui. Sa colère a été apaisée. Et tu m'as consolé. Et qu'on soit des hommes ou des femmes, on a besoin de la consolation de Dieu au plus profond de nous-mêmes. On a besoin parce qu'il y a des choses qui nous ont blessés, il y a des injustices, il y a des meurtrissures, il y a des paroles qui nous ont fait du mal. Mais la consolation de Dieu, elle vient pour te guérir, alléluia. Et ça, ça change ton comportement, ça change ta façon de parler, ça change ta façon d'être. Gloire à Dieu, merci Seigneur, tu es ma force, mes louanges, c'est toi qui m'as sauvé. Amen. On peut dire merci à Jésus ? Alléluia. Et c'est pour ça qu'après ils disent, ben, louez, louez, alléluia. Et dans nos réunions, qu'est-ce qu'on fait ? On loue, alléluia. On loue le Seigneur et on publie les œuvres de l'Éternel. C'est ce qu'on fait encore cet après-midi. Allez, on va prier. Seigneur, on te bénit. Alléluia. Oui, c'est le jour aujourd'hui où on peut changer de langage. C'est le jour où on peut s'approcher de toi. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On te loue, Seigneur, de ce que c'est pour nous. On te loue de ce que c'est toi qui nous sauves. On te loue, Seigneur, de ce que tu communiques de la force à celui qui est faible cet après-midi. On te loue parce que tu bénis, Seigneur, celui qui a péché, parce que tu lui fais grâce. On te bénit parce que tu délivres
celui qui est captif, Seigneur, parce que tu as l'autorité de le faire. Et on proclame ta victoire sur toute ténèbre. Seigneur, dans le nom de Jésus, que mes amis soient bénis, alléluia, que mes frères et sœurs soient encouragés et que ta grâce soit sur nous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.